Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui on se retrouve en salle à Escalform pour la suite de mon dossier consacré au top 5 de mes exercices par groupe musculaire. Aujourd'hui on va attaquer les triceps, hein, ce muscle en forme de fer à cheval qui représente la majeure partie de la masse de vos bras. Et pour avoir cette forme de fer à cheval, il faudra veiller, hein, à véritablement solliciter chaque faisceau, chaque tête qui constitue vos triceps, c'est-à-dire les vastes, le vaste interne, le vaste externe, mais également la longue portion des triceps. C'est pourquoi à chaque exercice que je vais citer, je vous rappellerai la zone où le travail sera focalisé, de sorte encore à ce que vous puissiez choisir des exercices complémentaires pour un développement, encore une fois, musculaire harmonieux. Et comme d'habitude, si vous avez un trou de mémoire, la majeure partie des techniques d'exercices qu'on va voir ont été traitées par la chaîne, donc vous n'aurez jusqu'à cliquer sur le petit lien qui apparaîtra qui vous renverra à la vidéo correspondante. Bah écoutez, sans plus attendre, on commence de suite ce top 5. Allez, on commence de suite ce top 5 avec mon premier exercice. Il s'agit du développé couché, prise serrée, un exercice de base que je réalise généralement au début de ma séance. Alors pourquoi exercice de base? Tout simplement parce qu'il va solliciter l'ensemble de vos triceps, hein, comprenez par là, les trois têtes. Alors concernant l'écartement des mains, je vous rappelle que rien ne sert de les rapprocher au maximum, si ce n'est vous détruire les poignets. Pour trouver l'écartement des mains idéal, bah c'est simple, mettez les bras le long du corps et là vous aurez l'écartement des mains approprié. Exercice qui ne conviendra pas à tout le monde, notamment si vous affichez un valgus très prononcé, mais il est tout à fait possible de réaliser cet exercice avec une barre Z pour soulager vos poignets et vos coudes. Quoi qu'il en soit, le développé couché, prise serrée, est un exercice vraiment, est un formidable mass builder que je vous recommande très fortement. En deuxième exercice, nous avons certainement mon exercice préféré des 5 que je vais vous citer. Il s'agit des extensions verticales à la poulicorde, un exercice qui va solliciter l'ensemble de vos triceps, mais avec une insistance toute particulière, d'ailleurs vous allez le sentir, sur la longue portion des triceps qui va être fortement étirée du fait du maintien du bras à la verticale. Exercice que je réalise à la corde, tout simplement parce qu'elle va me permettre une meilleure amplitude de travail, notamment sur la phase excentrique, sur la phase d'étirement. Mais sur la phase concentrique, elle va me permettre également d'effectuer cette petite manœuvre qui va m'amener en prise pronation en fin de mouvement, qui va non seulement m'apporter une meilleure contraction musculaire, mais également va me permettre d'impacter également le vaste externe. Donc voilà, super exercice qui se doit de faire partie de vos routines. Enfin, personnellement, je vous recommande vivement. Exercice que vous pouvez le faire à la poulie corde, à la poulie barre si vous voulez rajouter plus de charge, mais également, si vous n'avez pas de poulie, vous pouvez très bien le faire avec une barre EZ. Donc voilà, très très bon exercice. En troisième exercice, nous avons un très grand classique, il s'agit des extensions, poulies, pronation à la barre. Cette fois-ci, on va accentuer le travail sur les vastes. Au niveau technique, rappelez-vous, les coudes sur le long du corps, ils sont fixés. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne doit assister à des mouvements de tiroir. Les épaules sont bien en position arrière, on sent bien la poitrine. Et s'il vous plaît les amis, vous avez une poulie qui vous offre une tension continue, donc ne limitez pas votre phase excentrique à la perpendiculaire. Allez au-delà de 90 degrés pour profiter encore une fois d'un bon stretch au niveau de vos triceps. En quatrième exercice, nous avons les extensions de poulie corde, buste penché, un exercice qui va surtout solliciter la longue portion des triceps, qui, je vous le rappelle, est vraiment déterminante dans le rendu massif de vos bras, ce qui ne faut pas dire qu'il faut travailler que ça, mais surtout ne jamais la négliger. Donc cet exercice, je le réalise plutôt à la corde, encore une fois, pour un souci d'amplitude de travail, pour une meilleure phase d'étirement. Mais encore une fois, comme pour les extensions verticales à la poulie corde, elle va me permettre, en fin de mouvement, d'opérer cette fameuse rotation des poignets, de sorte à finir le mouvement en prise pronation, c'est-à-dire vraiment écarter la corde. Encore une fois, pour une meilleure contraction musculaire, mais également pour impacter, au passage, le vaste externe. Donc exercice que vous pouvez réaliser avec la barre si vous voulez rajouter de la charge supplémentaire, mais personnellement, j'adore le faire à la corde. En dernier exercice, nous avons mon finisher préféré pour les triceps, c'est-à-dire l'exercice que je réalise en fin de séance. Il s'agit des extensions poulie haute en unilatéral. Exercice que je n'ai pas encore démontré techniquement sur la chaîne. Donc si vous voulez que ce soit fait, vous avez juste à vous exprimer en commentaire sous la vidéo. Alors au niveau de la technique, c'est simple, le bras est vraiment le long du corps, légèrement en avant. Le coude est véritablement fixé, c'est-à-dire qu'il n'y aura que l'avant-bras qui va bouger. Exercice que j'effectue avec différentes prises, soit en prise neutre avec une poignée, ou soit de temps en temps, je retire la poignée et je me retrouve en prise pronation. Les sensations et les zones de travail sont véritablement différentes. Donc voilà, superbe exercice qui va vous apporter une très grande congestion et puis vraiment finir vos triceps en beauté. Voilà qui conclut mon top 5 d'exercices préférés pour les triceps. Je vous rappelle que c'est une liste personnelle, donc assez subjectif, même si force est de constater que certains exercices, de par leur intérêt, mériteraient véritablement leur place dans le cadre de vos routines.
Je vous rappelle également que le but de cette série vidéo est aussi de vous préciser hein, quelle zone musculaire est impactée par tel exercice, de sorte à ce que vous puissiez construire vos séances en choisissant des exercices qui vont se compléter et éviter de se faire les doublons. Alors qu'en est-il à présent? Si vous avez trois exercices à faire, si vous aviez trois exercices à faire parmi les cinq que je viens de citer, au premier exercice, vous effectueriez du développé couché prise serrée, exercice de base qui va travailler l'ensemble de vos triceps, les trois têtes. En deuxième exercice, vous effectueriez des extensions verticales à la poulie corde, à la poulie barre ou à la barre Z pour focaliser le travail sur la longue portion des triceps. Et enfin, vous finiriez par des extensions poulie pronation à la barre pour travailler davantage les vastes. Et là, voilà, la boucle sera bouclée. Vous serez certain d'avoir travaillé vos triceps dans leur ensemble. Voilà ce qu'est, à mon sens, une bonne séance. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, les amis. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens à remercier également mon partenaire MyMuscle pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de compléments en ligne. Ils offrent un vaste choix de compléments à un rapport qualité-prix qui est tout bonnement exceptionnel et en toute transparence, ce qui est à noter. Et à ça, MyMuscle vous offre un code unique de bienvenue de moins 20% sur votre première commande avec le code qui s'affiche dès à présent. Et à la suite de quoi, vous aurez moins 10% en permanence avec ce second code. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Eh bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce petit dossier de mon top 5 d'exercices préférés. J'aborderai... qu'est-ce que je vais aborder? Et là j'entends... Je sais pas pourquoi j'entends pectoraux, pectoraux, pectoraux. Eh bien non les amis, les pectoraux, on va garder ça pour Noël. La semaine prochaine, on va attaquer les épaules, hein, qui sont tout aussi importantes. Donc d'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao ciao, salut. We'll be right back.